Création du spectacle. Première du spectacle avec lumière, musique, avec viens, on y va. Sur 9 pour la première. Tu lui mettais ça en vrai ? Peut-être pas sûr. Ouais. C'est la même pointure, c'est la même tout. Exactement. Okay. C'est les mêmes, t'es sûr. Hein. Je te montre, chérie, t'allais me demander. Ouais. C'est les mêmes en 9, regarde. Bon. J'ai mangé des bananes, je crois qu'on peut aller répéter, non ? Écoute. Ou bien café-cigarette avant. Ça vient, ça vient. Café-cigarette. Voilà, ma mère. Voilà. Ma mère. Café, mais pas cigarette. Non, encore ma mère, je fume devant elle. Ma mère, c'est un autre stade. Ma mère, elle me voit fumer, elle fait... Mon père, il ne me voit pas fumer. Oui, parce qu'il y a un mois encore, il ne fumait pas. Et puis mais tu peux être... Je le dis, j'ai eu fumé. Je lui dis, maman, je ne peux pas être Superman. Je lui dis, je ne peux pas être Superman. Je ne peux pas avoir un fils magnifique grâce à Dieu. Faire une mère extraordinaire. M'épanouir d'un homme. Tu s'occupes de ton fils. Regarde. Tu vas le garder. Non, je ne peux pas avoir un fils sublime, réussir dans mon métier, être en bonne santé et en plus ne pas fumer. Laisse-moi au moins un truc. Non ? Comme tu veux. Tu as souffert. Eh ben, je te trouve beaucoup plus stressée depuis que tu fumes plus. Ça fait juste 30 ans ça qu'elle a arrêté. Ça fait 15 ans. Beaucoup plus désagréable. En fait, ça fait ça, ça fait le tir fest, tout ça. J'ai dit à ma copine, bon, parce que j'ai une copine, on fait un break, parce que je parle anglais. J'ai vécu aux États-Unis, tout le passage sur les États-Unis, tout ça pour vous dire que je parle anglais, pour vous dire qu'on fait un break. Et là, on a décidé d'aller boire un coup au restaurant d'altitude. Vous le connaissez, le restaurant d'altitude, c'est un truc très haut, et là, il faut prendre le télésiège pour y aller. Brian, et c'est sur le Brian qu'on fait le même effet, si tu veux bien, Laurent, qu'on faisait sur Y'a le Blond. Ouais. Ok. Des changements, Eric ? Il y a des champs, un petit peu pour moi, plutôt pour Laurent, plutôt pour la lumière aujourd'hui. Il y a un petit changement pour moi. Plus de changements, c'est pour toi alors? C'est pour moi, c'est dans l'ordre des choses, mais bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. On va cerner tout ça et tout va bien aller. Qu'est-ce qui est compliqué en fait? C'est-à-dire que tout est programmé et il faut aller chercher les séquences qui sont dédiées au passage du spectacle, les remettre dans le bon ordre. Et donc on ne peut pas faire ça forcément à la dernière minute, donc bon. Mais là c'est bien, on a pris un peu de temps pour le faire, tout sera calé pour ce soir. Parfait, nickel. Il fait souvent ça ? Ça lui arrive, il aime bien tout chambouler pour que, ben, justement, trouver un fil conducteur parfait pour que ben, le spectacle se déroule dans les meilleures conditions et que ben, pour l'Olympia, et puis comme on est vraiment en pleine création, ben voilà, pour que tout soit parfait. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je remets sa petite liste, c'est un peu aide-mémoire. Si jamais il a un petit... Comme il change tous les jours, s'il a un petit doute, hop. Il change quoi, en fait? Il change l'ordre. Les sketchs, etc. Et certains... Et puis des nouveautés, je pense. Public super... Tu sais, je te jure, c'est incroyable. Il y a des soirs où tu te rends compte, en fait, de tes textes, en fait. Tu te rends compte que t'as écrit des textes... Oh, non, c'est pas ça. Le public, il te redonne le sens de ce que t'as écrit. Il y a des soirs, il te renvoie un truc. Bon, il y a toi aussi, hein. Il n'y a pas que le public, mais... Mais je sais pas. Il y a des soirs où il te renvoie ce que t'as écrit. Et tu sais pourquoi t'as écrit ce sketch-là ou... Ouais, ça fait plaisir, ça. Chaleureux, mais à l'écoute, quoi. C'est vraiment mystérieux, putain. Le théâtre. Quel mystère que le public. Tiens, on va voir si ils sont encore là. C'est peut-être parce que j'ai joué avec un t-shirt. La magie du t-shirt. Est-ce que la douche est praticable ou pas? Vous avez
conscience de, du ravage que vous faites auprès des filles. Je suis allée un peu sur votre site internet et je peux vous donner, si vous voulez, quelques extraits pas de... J'ai pas de site encore. Non, bah là, les sites officiels. Les sites non officiels. Ouais, non, mais non, je suis pas conscient. Gad, je t'aime, je veux t'épouser, tu n'as qu'un défaut, c'est ta femme. C'est assez rigolo. Sérieux, je peux voir? Ah, ouais, je vous... Attendez, parce qu'il y a un peu de tout dedans, mais je vais vous les ressortir. Je vais même vous les donner, ça vous amusera. J'ai pas tout imprimé parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Gad, mais... tu n'as qu'un défaut, c'est ta femme. C'est drôle. Ne change pas, ou alors juste deux femmes. Bon, il n'y a pas les photos. Hein. S'il y avait les photos, peut-être. Oui, bon, là, on aurait pu. Mais voilà, qu'on me dise que je suis beau, je trouve pas ça juste. Je trouve que j'ai un visage intéressant, mais je suis pas beau. Je suis très conscient d'où j'en suis. Je ne me prononcerai pas. Je sais pas. Moi, je trouve que j'ai du charme, mais je suis pas beau. Beau, c'est... comment il s'appelle? C'est beau, c'est... C'est comment il s'appelle, les mecs beaux? C'est Greg le millionnaire, non? À la pneumonie. Oh, vivre dans un donjon. Ah, c'est l'enfer. Vivre dans un donjon. C'est difficile pour une fille de 11 ans qui a la pneumonie. Voilà. Au début, tu fais. Oh là là, il y a la fille, tu sais. Toi, tu dis, elle a pas le moral. Enfin, moi, je peux le dire là-dessus. Ouais, ouais, voilà. Elle a pas le moral. Et elle te sort une phrase, ah, tu vois. Là, c'est là. Et elle te sort une phrase du genre. Pourquoi être amoureuse de quatre personnes, ça fait souffrir. Voilà, après, tu modules comme tu veux, oui, au niveau du placement pour que. Tu sais, ceux qui ont l'expérience qui tu vois, les chanteurs qui décalent un peu. Brian. Noir. Noir. Ça se rallume. Musique, lumière. Musique, peut-être pam pim, pam 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 pam. Premier, c'est le premier salut. Ça, c'est le premier salut. Tu sors. Tu reviens. Schlack. Ouais. Tu reviens. Ressors. Deuxième salut. Deuxième salut. Schlack. Schlack. Tu sors. Ressors. Et la chaise. 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 Gabelle Lamel. Gabelle Lamel. Elle part. Elle s'en va. Noir. Toi, tu rentres. Je rentre. Quatrième salut, donc finalement, en fait. Non, troisième salut. Troisième salut. Chante, toi, chante, applaud, applaud, ça fait plaisir, cachette, cachette, j'en fais comme je veux, comme tu veux, jusqu'au moment où je me mets en place, et bim bam boum, il n'y a rien de spécial. Spam, pim, pam, pam, poum, remontée, un peu de danse, salut, un gros bisou, schlack, arrosage du public. Oui, mais qu'on ne part pas trop devant dans ce cas-là. D'accord. Juste 2 mètres avant le d'accord, le arrosage, et après arrosage de l'artiste. Et puis voilà. Clac, boum, et la danse du feu. Danse du feu, tu finis pratiquement au sol, et on ferme le rideau. Ah non, non, il faut pas que l'effet y soit fermé par le rideau. Non. Il faut que l'effet soit fermé par la lumière. Ouais. Et dès que la lumière est partie, je ferme le rideau. Tu fermes le rideau. Le mot d'ordre, je crois. S'il y a un pain, on va jusqu'au bout du pain. Ah, on fait pas de blablabla. On va jusqu'au bout du pain. Tu restes appuyé jusqu'à la fin. Si tu peux pas, si tu peux pas. Ouais. Si tu tombes sur le cinéma américain, il est possible même que je chante dessus, quoi. Ah oui, bien fait. Un cinéma américain, tu le fais. Smirnov. Smirnov. Ça veut dire en russe. Smirnov. Smirnov. Annonce.
annonce. On fait annonce, noir sage, on ouvre le rideau et on y va. Oh, ok. Allez. Oh, on y va pour l'annonce. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Veuillez regagner vos places. Comment non? Ah ouais? Ah ouais? Ah bah non. Ah ouais? Ah oui? Ah bah non. Je te dis ah bah oui. Sérieux? Bah non, puisque je te dis ah bah oui. Bah moi je te dis ah bah non. Bah, non, sérieux? Bah oui, bien sûr. Le père est bien sûr. Mais t'as un doute? Ah oui. Ah bah non. Ah c'est bon. Ton père il te dit oui, c'est oui. Sérieux? Le début c'était. Le début? Un peu mou, mais après, c'est parti. Je pense que imiter l'accent québécois, c'est maîtriser, comprendre une psychologie particulière. J'aurais pu jouer du Michel Tremblay. Ils se passeront de moi. Tant pis pour eux autres. Cobb Elmaleh! C'était vraiment jouissif. C'était jouissif. Ça m'a rappelé un truc qui m'avait ému aux larmes un jour. La première fois que Lise Dion, ils ont fait un standing ovation. Ouais. J'étais là standing. C'est tellement rare. J'étais tellement content. J'en rêvais que ça arrive un truc comme ça. Je te jure, j'en rêvais pour toi. Ah non, mais c'est parce que c'est tellement bon ce que tu fais. Puis tu veux que le monde le sache, quoi. Alors aujourd'hui, on est à Fréjus, mais on dort pas à Fréjus. On dort à côté de Golfe de Juin. Golfe de Juin, donc. Et on n'a pas eu le temps de passer à l'hôtel, c'était un peu compliqué. On est à 60 km de l'hôtel. Ouais. On a préféré, pour garder. Après, il est venu directement faire la répétition, faire la balance. Et on a préféré lui prendre une chambre, on appelle ça une day room, une chambre pour quelques heures, qu'il puisse un peu se reposer. Et là, je vais le chercher à l'hôtel. Et on va directement aux arènes pour qu'il joue ce soir. Et c'est parti, on va chercher le monsieur. Ah, carrément, il voit tout, les gens. Allez, on y va, les gars. Antoine, allez-y, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on y va maintenant. Tout le public qui sort là. C'était bien? Ouais, c'était cool, c'était super. Mais là, j'ai jamais fait ça, je suis en train de sortir devant tout le public en peignoir. C'est pas possible. Allez, venez. Tout le public te voit, quoi. Ah oui. Là, c'est. Ça a été pour moi? Et le tour, ça va, t'as pas trop galéré, ça a couru comme vous êtes. Ouais, c'est ok. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de conneries, toi, t'es une fou. Antoine, je te jure. La fin de la tournée approche, vous êtes tous en train de craquer, en fait. Je te jure. Vous amenez des jouets en régie, vous amenez. C'est n'importe quoi. J'ai vu, vous amenez des trucs qui s'allument, là, qui font des bulles, je sais pas quoi. C'est pas moi? C'est pas toi. Il y a un gamin de la porte de sortie de secours qui a un laser pour pointer des trucs. Bon, je savais que j'ai raconté à tout le monde hein, le coup de la pince à épiler. Ce matin, je suis dans ma chambre, j'entends toc toc toc.
Et je vois ce monsieur qui arrive, qui dit, monsieur Elmaleh, voici votre pince à épiler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas demandé de pince à épiler. En fait, quelqu'un lui a donné un mauvais numéro de chambre. Non, mais pas de mauvais numéro de chambre, mais quelqu'un de votre groupe. Là, c'est moi qui ai pris une pince à épiler. Je veux pas savoir qui a demandé une pince à épiler dans mon équipe. Hein. Mais franchement, c'est toi, Domino? Mais regarde, je me suis pris un truc ici. T'as pas vu que j'ai un truc dans le cou ici? Ah, tu peux nous dire ce que t'as fait avec, ça va? Bah, rien du tout. J'ai retiré un truc et je me suis même mis un bout de... Toi, tu demandes une pince à épiler dans les hôtels? Bah, j'en avais pas... Attends, mais je suis pas une gonzesse, j'ai pas ça dans mes affaires. Franchement, tu me déçois. Mais j'ai envie de me faire épiler maillot, moi. Ah, je peux t'en prêter une. Je peux t'en prêter une, Nouri. Et vous faites que pince à épiler ou vous avez de la cire, vous avez tout ça? Ah, tout. Je suis allé chercher à la pharmacie. Ah ouais? Spécialement. C'est la classe. Vous êtes pas une esthéticienne, ici? Tu me la prêtes, Dominique, ta pince à épiler? Sérieux? Ouais, ouais. Ah oui. T'as vu, j'avais un genre de bouton et j'avais un poil qui était retourné dedans. Oh là là. Je lui tirais. Ah non, je sais pas. Ça fait t'as retiré le poil? Oui. Quoi? Non, j'ai mal pour toi. Les préoccupations de la tournée. C'est pour ça que t'as mis un pansement en forme de triangle. Voilà. Le poil était. Pour éviter d'y toucher. Nouri, tu veux une pince à épiler, toi? Esthéticienne. Ah, tu veux esthéticienne? Oui, oui. Je lui ai demandé de faire un maillot. Et vous faites des pinces isolantes ou... Non. Non, ça c'est... Dominique. Nous sommes à Golfe-Juan, dans le théâtre de la mer de Golfe-Juan, où on peut mettre 3300 personnes exactement. 3300 personnes. Et nous jouons sold out aujourd'hui. Oui, je pense que c'est un beau... c'est bien, quoi. Bon, c'est plus chaleureux dans les arènes, toi. Les arènes de Arles, Vienne. C'est un autre contexte, quoi. C'est un bon extérieur. Un peu grand, mais ça. Ouais. Laurent, c'est Gad. Il est moins 10, 9h moins 10. Et jamais on est parti aussi tard. Qu'est-ce que. Comment tu sens le truc? Ouais. C'est couvert, hein. Et les structures, il n'y a pas de prise au vent, il n'y a pas de panda. Ok. Ça veut dire que s'il n'y a que du vent, on risque rien. Mais si ça mouille, on joue pas. Hein. Ah non. Ouais, mais aussi, le public surtout, quoi. C'est surtout pour le public, quoi. Ah oui, carrément, tout le monde est avec les parapluies, là. Oh, putain. Ouais. Ouais, ouais. Bon, écoute, j'arrive et on va voir si ça tombe ou pas, et on va voir si on joue ou pas, quoi. A tout de suite. Et il pleut, là. Voilà. Merci, Yves. Merci. Bye bye. Ça va? Ouais. C'est quoi? Bah, moi, ça va. Moi, je sais pas, et on va voir. Si ça tombe, on va pas jouer, hein, les gars. Bon, Eric, c'est quoi l'ampli qui a pété? L'ampli, c'est quasiment un quart du gros stack qui a accroché. Un quart. Donc c'est un côté? Un côté, voilà, un quart d'un côté. Et c'est genre des hauts, des bas? C'est dans le bas de la voie. Qui reste les aigus, mais ça fait un quart du truc qui a accroché. Et puis si ça tombe, on joue pas, on est d'accord. Ah oui, ah oui, pas possible. Déjà là c'est limite pour là, le matos. Là c'est limite, non mais pour le matos. Ah, tout est couvert sauf ce qui est accroché justement là. On rappelle le Stade de France avec Johnny. On a eu le même souci. Il y a vachement d'eau, c'est humide. Ça peut disjoncter. Ouais, enfin, ça peut disjoncter, le plateau il est super. Ah, il est super trempé. Ah ouais, attendez. Où est-ce qu'il est Non, mais sérieux, tu vois, parce qu'il faut prendre. Non, mais comment Domino, il faut prendre une décision. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on interrompt le show, ça va être plus un bordel. Le vent, regarde, il vient de là-bas. Moi, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Et là-bas, il y a des orages. Regarde, ça pète. Bah là, on a un problème de matos aussi, il y a un ampli qui a sauté. Après, donc, faudrait qu'on puisse tester exactement ce que c'est pour voir si ça porte. Bon, bah, pour le son, ça peut passer, je pense, mais surtout pour Gad, en fait, surtout pour Gad.
Surtout pour le... Ah, il y a des éclairs et tout. Surtout pour la pluie et pour Gad. Gad ne veut pas interrompre le show, ce qui est normal. Il ne veut pas commencer une demi-heure de show et arrêter. Et puis pour le matos, si vraiment il pleut, pour le matos, à bout d'un moment... Oui, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Faut nettoyer le plateau, à fond. Et puis, c'est tout. Comme si on joue pour l'instant, nettoyer le plateau, on a un plateau sec. Et disait, pour faire patienter les gens, envoyer un mec qui commence à... À mon avis, ça va le faire. Si on n'a pas de problème technique. Si il ne repleut pas. Faut qu'ils essaient tous les amplis. Bah, les mecs, c'est qu'il avait moi. C'est faisable. Y aller. Moi c'est... Voilà. Donc... On nettoie le plateau sec, nickel, pour que tu prennes pas de flaque d'eau et compagnie. Voilà quoi. Moi le seul truc c'est que si on annule, tu peux pas laisser le public comme ça. Il faut quelqu'un rentre sur scène et leur dire on annule mais on reporte le 12, telle date. Je te le dis tout de suite. Okay. Regarde, oh là là, regarde les éclairs. Ça va pas. Il y a 5 minutes on aurait cru que... Mais... Regarde, trop dangereux. Ok, donc on joue pas ce soir. Maintenant il faut avertir le public. Ouais. Il faut savoir comment leur dire pourquoi on joue pas. Leur expliquer que c'est beau aussi pour des raisons de sécurité pour eux aussi. Pour eux, pour nous. Et surtout, il faut s'engager à engager une deuxième date. Aïe aïe aïe. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas assumer cette soirée. Elle est reportée au 15 juillet. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vous pouvez vous faire rembourser vos billets où vous les avez pris. Dis qu'il te faut du temps, de l'espace. Ok. Hey, hey. Dis même que rien n'y fera, quoi que j'y fasse. Ok. Toi comme ça? Comment comme ça? Il pleut, puis on monte et il pleut plus. Bah oui. La triste vie du spectacle, on va dire. Malheureusement, mais je pense qu'il valait vraiment mieux annuler. C'était vraiment très dangereux. Vous êtes affecté, vous aussi? Bah oui, beaucoup, parce que... Bah, en plus, c'était une des dernières... c'était une des dernières dates, et puis... le site était sympa, et voilà, quoi, une journée foutue. C'est un peu triste de finir comme ça, quoi. Voilà. Et t'es comment, toi, au niveau du cœur, là, quand tu dois jouer et que tu ne joues pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est un sentiment super bizarre, tu sais pourquoi? Parce que... Je sais pas comment dire. T'es comme... C'est comme une fête qui est annulée, quoi. Donc tu sais pas quoi faire, tu sais pas où... Et bizarrement, je suis fatigué alors qu'à ce moment-là du spectacle, je suis en plein dedans. Je suis un peu abattu, mais bon. C'est la première fois que ça nous arrive. Moi, en 10 ans de one-man show, ça va faire 10 ans que je fais du one-man show, ça m'est jamais arrivé d'annuler une date pour quelques raisons que ce soit. C'est la première fois. C'est comme si tu devais accoucher et puis tu sors, il n'y a que du vent, quoi. C'est comme si tu devais accoucher et il pleut. Bop, 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 bop
Everybody get funk.